Je veux dire, il n'y avait pas de vrai défi. Un vrai défi, c'est quand il y a quelque chose derrière qui te pousse à y aller. Là, techniquement, ils me disent le champignon et derrière, il y a le texte qui t'explique c'est quoi. Vous pariez combien que les ailes elles vont se mettre sur le côté pour voler au-dessus du trou? Obligé. C'est obligé. Ça compte pas pour Bacael. Du coup, est-ce qu'il y a un endroit un peu classe où on pourrait aller? Il y aurait bien là, la dune de sang. La question, c'est comment on y va? Y a pas l'air d'avoir de plage. Là, il y a une espèce de grand vaisseau. Ça doit être la ville du méchant. T'as Ah, ça commence à être bien là. On va pouvoir se faire plaisir.
Oh, y a enfin des monstres qui m'attaquent! Comment il calcule l'XP au final? Tu peux pas faire de prévision dans le jeu en fait. Tu peux pas te dire tiens là je vais gagner suffisamment pour avoir un level en 15 combats ou... Ou entre chaque combat faudra aller faire des maths. C'est grave cool, il y a encore l'ombre de la main et tout. Bon, elle est pas très stable, mais c'est cool d'y avoir pensé, quoi. Une hache guerrière de l'océan. Pour un gars qu'on n'utilisera jamais. Pour nous, les cons. Ouais, ils gagnent aussi de l'XP, ouais. Un peu moins, mais ils en gagnent quand même. T'es fou, c'est la première chose que j'ai regardé quand j'ai commencé Apex. Enfin, Apex. Quand j'ai vu que mes levels étaient montés un peu vite. Je me suis dit, merde, si les personnages principaux ont monté et pas les autres et qu'à un moment j'en ai besoin, ça peut foutre la merde. Du coup, j'ai regardé et ouais, ils montent quand même. Tu vois, je l'ai jamais utilisé, il est niveau 49.
qui est pas mauvais. Il a quoi? Il a un ou deux niveaux de moins avec les personnages que j'utilise. Et si ça se trouve, c'est juste parce qu'il est arrivé dans l'équipe avec deux niveaux de moins. Ah, je crois que ce sera un donjon. Moi. T'as vraiment l'impression qu'ils ont oublié de l'instancier, quoi. Enfin, moi, c'est l'effet que ça me fait en tout cas. Pop-up Ranger. Ah, enfin des nouveaux ennemis. Ouh. J'ai cru que le jeu avait tout donné. Hein. Bah ouais. Non mais dis-moi pas que en tant que joueur de RPG, quand on est arrivé sur la plage empoisonnée, tu t'es pas dit tiens ça va être une sorte de pseudo-donjon à traverser. Franchement, ça y ressemble quand même. Enfin, je veux dire, y'a rien quoi. Je sais pas. J'ai envie de dire, si ça choque que moi, tant mieux. Ouais, j'ai quand même l'impression qu'il manque une instance. T'es ronchon ce soir.
Non, mais Ni no Kuni me résiste pas. Et j'ai pas l'impression que. Enfin, j'ai l'impression qu'il a été fait avec l'envie de dire ouais, mais c'est un jeu pour les enfants en fait. Si c'était que ce soir. Ah, vous êtes vache quand même. J'ai quand même droit de dire que le jeu a un problème, non? Enfin, je sais pas. Oui, je suis déçu aussi. Tu vois, Archum, toi aussi, tu trouves qu'il y a un problème. On n'arrive pas forcément à mettre le nom dessus, mais il y a un problème. Il y a clairement un truc. Tu as raison sur le background du vilain. Et c'est dommage parce que moi le scénar me plaît, hein. Le scénar en soi, l'histoire, les motivations et tout, même le héros qui est un peu agaçant. Non mais je comprends tes frustrations. Là j'ai plutôt l'impression que vous me dites oui, histoire de me brosser dans le sens du poil. Mais je dois voir le mal partout. Le mal est toujours mal placé. Va crever, Bakel. Là, tu me crois. Là, je sens un petit peu de. Comment dire? Un peu de haine. La haine vient toujours du cœur. Bon, après, ça me rend triste, mais bon, hein, c'est pas grave ça. De toute façon, j'ai tous ces gens avec moi. C'est toujours pareil. Que j'essaie de vous faire comprendre, c'est qu'on peut aimer un jeu sans le trouver parfait en fait. J'aime le jeu, techniquement il est pas désagréable à jouer, le gameplay est maîtrisé, l'histoire est pas trop mal, et j'ai vraiment l'impression qu'il y a 2-3 trucs qui vont pas quoi. Et c'est ces 2-3 trucs qui font que je prends pas autant de plaisir que ce que je devrais quoi. J'ai pas Kiki tout dur ce soir. J'avais Kiki tout dur sur Ni no Kuni, hein. T'en veux pas. Voilà. Ça va encore être moi le méchant de l'histoire. Ouh, des gros là. Niveau 54. Oh, ça peut être sympa. Et c'est pareil, on est dans une zone niveau 40. Qu'est-ce que fout un niveau 54 à côté, quoi? Ha ha.
À mon âge avancé, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Il y a des médicaments pour ça. Non, mais comme je te disais, la perfection n'est pas de ce monde. Mais si, tu es parfait, toi, Archon. Archum en plus. En plus, je me trompe de personne, tu vois. Je suis vraiment un enculé de base. Ah, vous avez réussi à m'agacer, quoi. Je pensais pas que ça serait possible. Félicitations. Laser. Et toi, tu fais tes gros yeux. Mes gros yeux, moi? C'est là que je vois que vous dites n'importe quoi. On n'arrête pas de me dire que j'ai les yeux à moitié fermés tout le temps, et vous me dites que je fais les gros yeux. Ah, oh, il était dur lui, j'ai presque plus de vie. Ah ouais, non, mais niveau 30 quoi. La plaisanterie. Ouais, mais alors là, Archum, on va discuter du fait que c'est pas le même niveau 30. Mais c'est surtout qu'il n'y a pas de niveau intermédiaire pour l'instant. Ou alors, faut peut-être aller chercher sur l'ancien continent. Et je sais plus quand vous plaisantez plus. Vous arrêtez pas de me dire que je suis pas gentil et tout. Je dirais tout à Bakaela. C'est bon, on a récupéré toute nos vies, on va les taquiner les gros là. Et niveau 54. Ah
T'hésites pas à écrire That's a joke before. Comme ça, pas de soucis. Tout le monde sait que c'est une blague. Ou après, si tu veux que les gens le lisent avant. Donc s'écris vite. Trop loin les loot. Un caillou. Merde, il est parti. Et pourquoi celui-là il est que 43 alors que l'autre était 52? Bigito a fini le jeu en tuant le boss de fin avec 15 levels de moins. Bah, sachant qu'on a déjà battu 2 dragons avec 20 levels de moins, on devrait pouvoir le faire. Hein. D'un autre côté, vu qu'on a déjà 15 levels de plus que les ennemis, à part si on arrête totalement de se battre, bon, moi je suis pas un super Saiyan et je suis encore moins un Saiyan modifié. Enfin, fusionné. Je suis désolé, hein. J'aimerais être aussi fort que Vegito. Mais... à la limite, je m'approche d'un Kogeta. Yeah.
Ah, puis mon but n'a jamais été de finir le jeu vite, hein. J'ai enfin eu le cratère. Hein? Tu sais que personne ne comprend de quoi tu parles, Shilo. Ah d'accord. Non mais c'est parce que t'arrives au milieu d'une discussion qui n'avait aucun rapport à ça, ça fait une demi-heure que t'as pas parlé. Alors oui, tout à l'heure tu parlais de ça, mais d'un autre côté, si au milieu tu ne nous expliques pas de quoi tu parles quand tu reviens, c'est sûr qu'aucun de nous n'arrivera à comprendre, Shiloh. Faut faire un petit effort, mettre le sujet, je sais pas. Vous savez comme il se gratte les fesses? Albert Dupontel, c'est pas un acteur ou un réalisateur? Un truc comme ça en tout cas. Trois rondins de bois lisse. Je crois qu'il m'en fallait 5 pour la quête, non? Ça veut dire qu'on va pas tarder à les trouver. On peut regarder. Ouais, c'était ça, il m'en faut ça. Et du coup, c'est vraiment lui ou c'est une connerie? Pour le coup, ça m'impressionnerait. Un bon film ou un film nul? Sachant que je l'ai pas vu. Ne spoilez pas.
J'ai envie d'essayer, je pense pas être au niveau, par contre niveau 26 ça me semble un peu tendu. Pour le coup. Ah, on est vent au maximum donc. Peut-être falloir que je monte les autres trucs quand même à un moment. Et c'est marrant parce que j'ai beaucoup plus l'impression qu'ils ont fait des efforts pour les designs des petits combats comme ça que pour les combats normaux. Je te dirais bien que j'aime pas les films pas barrés. Mais cet après-midi, j'ai regardé Randall. Randall qui est un film de super-héros hongrois ou je sais plus quoi. Le film s'appelle Randell. R-E-N-D-E-L. Non, franchement, c'était bien. J'ai passé devant un bon moment. Je me suis juste dit que si les Marvel pouvaient être aussi bien. Ah, c'est pas vrai. Je me suis dit que si les DC pouvaient prendre un peu exemple, ce serait pas mal. Que c'est plus ou moins ce que j'attendrais d'un Batman, quoi. En plus violent. Légèrement plus violent. Du coup, on a fini niveau 26. D'accord. Kayori ni shiteru zo.
Bon, du coup, les amis, on se donne rendez-vous demain pour la suite de nos aventures sur Ni No Kuni. Ni No Kuni. Ou dis oui au Kuni, hein, comme tu veux, hein, t'es pas obligé de dire non. Hein. Je t'encourage même du fond du cœur à entamer des Kuni. C'est sur un petit île des familles en plus. Parfait. Du coup, à moins que vous ayez un sujet important que vous vouliez aborder, on va se quitter là. Archam, bisous. Plage, bisous. Alucard, des bisous. Et du coup, je vous invite tous à aller voir Alucard qui va certainement rentrer en live maintenant. Vu qu'il était juste venu représenter sa première place sur le Bakken Live. Tout ça pour embêter Shilo. Et je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain. Peut-être demain matin, peut-être demain après-midi. Et continue à faire des cunilingus. Je trouve ça plus important à cette heure-ci. À cette heure-ci, arrêter les jeux vidéo, aller faire des cunis, quoi. Mais je vais y arriver un jour. Un jour. Bah, si tu veux, je peux le ban de la chaîne quelques jours. Ou reset totalement son level pour l'emmerder, mais. Non, c'est pas du jeu. Et ça, c'est très très bien. J'apprécie beaucoup, Shilo, que tu n'aies pas accepté ma proposition. Allons chercher la thune et la dépenser tout de suite pour énerver Archam. Hop, 8000 de dépenser d'un coup là. Bam! T'imagines 8000 PO d'un coup là, comme ça. Thank you.
Non. Trente mille. Ah putain, faut que... Salut, a des problèmes avec Internet. Ah. Il a plus qu'à revenir. Elle... 25 000! Quarante mille. Trente mille. Putain, mais ça coûte une fortune les trucs après. 41 000. Ça, c'est une évolution de bâtiment. Du coup, les amis, on se revoit demain. Bisous, bisous.